grâce à ce prix départemental aidé, notre collectivité vient récompenser le parcours exceptionnel d'un homme qui a su s'élever et se diversifier à la mesure de ses ambitions. Qu'il soit un modèle pour ceux qui veulent conquérir le monde. Au nom du département, je remets cette belle médaille avec toutes nos félicitations pour ce beau parcours et surtout cette volonté d'aller le plus loin possible dans le service au client. Parce que parfois, on a l'impression que le client est un peu considéré comme un peu une vache à lait et il tient le maximum. Mais vous, vous avez cette envie de dire que il faut baisser les prix pour justement rendre service aux clients parce que finalement la vie est chère à La Réunion. Et quand on voit des chefs d'entreprise qui se battent pour tirer les prix vers le bas grâce à l'innovation technologique, eh bien il faut saluer ça, cette générosité. Alors merci pour ça, pour ta créativité, pour ton engagement. Merci beaucoup. Et puis il y a bien sûr le trophée lui-même, en plus de la médaille. Voilà. Deux micros. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame Naz. Hein, et en fait, ce qu'on récompense aujourd'hui, ce n'est pas forcément Jean-Claude Poilin, mais aussi toute l'équipe qui travaille avec nous. Il y a pas mal de personnes, un petit peu dans beaucoup de métiers que l'on fait. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je devais refaire ma vie. Je lui ai dit, ne change pas, je reste comme ça, je ne change rien. Donc je pense que j'ai eu une vie bien chargée. On est arrivé à un stade, non seulement moi, mais beaucoup de gens qui sont ici aussi, où on est arrivé à un stade où il nous reste moins à vivre que ce qu'on a vécu. Donc du coup...